Merci à tous d'être ici. Alors on, voilà, on, est, on lance cette deuxième édition de Cap Agroéco dans un contexte particulier. Voilà, donc moi je me présente, je suis Sébastien Roumégous, cofondateur du Centre de développement de l'agroécologie qui vous propose cet événement. Voilà, donc on a fait une édition l'année dernière. On va démarrer, donc j'aurai l'honneur de, de démarrer la, les festivités. Je vais parler vraiment de l'ensemble des concepts autour des sols vivants. Et puis, finalement, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça en tant qu'agriculteur euh, sur le volet carbone Est-ce que je mets assez de carbone ou pas dans mon sol À quoi aussi il va être destiné ce carbone Comment ça circule dans une chaîne alimentaire pour permettre d'avoir, on va dire, les, les bonnes nuances et les bons concepts autour de tout ça Après, on enchaînera avec euh, Franck Beschler et Frédéric Thomas, qui nous parleront d'agriculture de conservation, mais aussi de combinaison grande culture-élevage. Je veux être éleveur, mais je n'ai pas forcément de tête. Comment je fais Je peux m'associer avec un céréalier qui, lui, n'a pas forcément vocation ou envie d'avoir des animaux. Et puis, on essaie de combiner euh, ces deux mondes-là, et ça permettra aussi de donner des perspectives. On dit souvent que euh, dès qu'on a un animal qui rentre dans la balance, c'est intéressant pour plein de, de propos. Eh bien, on va pouvoir explorer ça aujourd'hui et avoir aussi des données techniques, économiques. Et humaine, hein, puisqu'on sait très bien que toute association, ce qui est important, c'est de savoir comment on s'organise entre humains et c'est ça qui fait que ça va marcher ou pas marcher souvent. Dernière intervention, euh, on, on aura donc euh, une personne qui nous vient de Suisse, euh, voilà, donc euh, monsieur Charles, qui nous parlera des couverts végétaux et qui va euh, nous parler des couverts végétaux sous un angle utilité pour le système de production, mais aussi qu'est-ce qu'on fait avec les couverts végétaux aujourd'hui avec ces sécheresses à répétition. Voilà, on voit bien qu'on a du déficit hydrique en été maintenant qui est extrêmement important. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de production de biomasse Qu'est-ce que ça veut dire en matière de choix de couvert Donc on va commencer à aborder ça sur cette fin de matinée. Euh, on parlera microbiologie des sols, biologie des sols. On ira de la macrophone jusqu'à la microbiologie et on reparlera couverts végétaux et également élevage. Voilà l'intitulé de euh, mon intervention. Sol vivant, approche technique opérationnelle. L'idée, c'est qu'on va rentrer un peu dans ce concept, mais aussi comment on alimente ce concept avec des choses un peu pratico-pratiques. Je vais vous parler d'un outil, finalement. J'ai appelé ça le bilan humique simplifié. Comment, sur un bout de table, je peux savoir si mon système de culture restituer assez de carbone ou pas pour avoir une activité biologique suffisante ou pas. Ça permettra aussi d'avoir un outil pratique en fin d'intervention. Je fais un peu de pub pour démarrer. Je parle du CDA. Donc le CDA, c'est le Centre de Développement de l'Agroécologie. On organise cet événement. On travaille autour de la transition agroécologique pour les agriculteurs, les collectivités, les entreprises, euh, que ce soit des, des PME ou des grands groupes. L'idée, euh, c'est aussi de transformer l'innovation au champ en filière et donc euh, voilà, c'est bien de faire de l'agronomie, mais comment aussi on transforme ça en valeur ajoutée pour l'agriculteur Et donc, on travaille sur tous ces, ces éléments-là. On est structuré en trois services, consulting et formation, animation agricole et recherche et développement. Donc, tester au champ, en condition agriculteur. Travailler en collaboration avec les agriculteurs pour élaborer les nouveaux, les nouveaux itinéraires techniques. Donc, on n'est on est pas sur un technicien qui sait, un agriculteur qui reçoit on est dans une collaboration active. Et ce sont les agriculteurs qui, souvent, permettent de stabiliser des itinéraires techniques sur le terrain parce qu'ils y sont tous les jours, et donc ça, ça nous est très cher. Et puis finalement, ces compétences qu'on développe en recherche et développement, en animation agricole, eh bien on les transfère euh, à des entreprises du secteur privé qui auraient besoin de ces compétences-là, ou des associations, ou des collectivités, dans la branche consulting et formation. Et donc on propose finalement, quand on travaille avec les agriculteurs, des diagnostics de fermes, de sols, de paysages, de l'accompagnement technique, de la formation, on fait beaucoup de formations, on forme autour de 600 personnes par an, 600-700 personnes, et puis de l'expérimentation. Voilà. Aussi, bon, 700 personnes en physique, hein, parce que c'est vrai que faire de terre-prod va rigoler, puisqu'il y a plus de 5000 vues à chaque fois qu'il y a une, <laughs> une formation. C'est sur du virtuel, et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, on a quasiment triplé le participant grâce à Internet. Donc ça commence à être vraiment intéressant, numérique au niveau agricole, on a des choses qui sont opérationnelles. Voilà. Alors, les sols vivants, approche technique. Et opérationnel pour les agris. Alors, première chose, euh, dans ce, ce déroulé, je vais aussi vous parler moi, de, de mon mécanisme qui m'a permis de comprendre que finalement l'activité biologique, ce n'était pas forcément quelque chose d'anodin. Parce que, bon, bah, quand on est. Moi, je suis issu de famille euh, d'agriculteurs conventionnels. J'ai fait, euh, on va dire, l'école agricole euh, plutôt classique. Alors, j'ai appris plein de choses, mais on ne m'a pas forcément focalisé sur la biologie des sols, ni sur son importance dans le cadre de la pousse d'une plante. Et donc euh, ici, je vous présente finalement, on a, on a deux milieux. On a un milieu qui est ici la parcelle et un milieu qui est la bordure de parcelle. Et on va faire une analyse de sol pour voir un peu ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est vrai tout le temps On aura des contre-exemples. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet exemple-là qui est mesuré, on s'aperçoit que globalement, eh bien, on a un taux de matière organique qui est quasiment au double sur la bordure de parcelle que dans la parcelle cultivée. On va avoir une porosité. Donc moi, je dis souvent, une, un sol agricole qui marche bien, c'est un sol qui a 50% de vide, finalement. Quand on marche sur une parcelle, on a 50% de porosité. On y est quasiment sur la, la bordure de parcelle, on y est un peu moins dans la parcelle cultivée. On retient mieux l'eau, ben, c'est directement lié au taux de matière organique. On a une réserve utile qui est quasiment de 20 mm de plus. Alors, bon, il y, y a deux ans, je disais 20 mm, c'est super, ça nous permet de gagner euh, X jours de pousse. Le problème, c'est que quand il fait. Euh, 40 degrés, ben en fait on évapotranspire tellement que 20 mm c'est peut-être pas tant que ça quand, ça quand ça tabasse. Donc ça fait gagner de la réserve utile, ça fait gagner euh, du temps de pousse, euh, mais aujourd'hui c'est vrai que 20 mm quand on voit les températures qu'on a quand on, on est en été, euh, voire même des fois au printemps c'est complexe. Et puis la capacité de rétention des, des éléments nutritifs, eh bien on a quand même quelque chose qui est supérieur quasiment 20-30% sur la bordure de parcelle. Alors déjà j'aimerais vous poser une première question, c'est Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui expliquerait ça finalement Est-ce que parmi vous vous auriez euh, des hypothèses Ok. Donc sans doute une activité biologique qui va être supérieure, le fait qu'il y ait moins de trafic, donc moins de compaction mécanique, et puis le travail de sol finalement. Si je travaille le sol et que je passe une roue dessus, je vais avoir plus tendance à le compacter que si je l'ai pas travaillé au préalable. C'est d'ailleurs comme ça qu'on qu compacte les sols, on les gratte et on les, on les compacte derrière. Euh, Est-ce que c'est le facteur prépondérant, sans doute pas, mais ce qui est intéressant, c'est que ça joue beaucoup. Et euh, derrière, on a effectivement euh, voilà, on a, on a ces phénomènes-là. Et activité biologique sans doute supérieure. Est-ce qu'il y aura autre chose okay. Donc là, on a le volet restitution matière organique. C'est-à-dire qu'en fait, je n'exporte pas sur le bord de parcelle. Et puis dans la parcelle, j'exporte. Et en plus, comme je suis proche de la haie et que j'ai des, des arbres, j'ai finalement les feuilles qui tombent et qui viennent peut-être renouveler un peu mieux le stock de MO. Donc effectivement, on a une notion où je ne vais pas exporter. Donc voilà, merci pour vos, vos interventions. Donc on. Je pense qu'on commence à s'approcher. On a parlé d'activité biologique supérieure, on a parlé de moindre compaction, on a parlé de matière organique. J'aimerais qu'on chemine petit à petit là-dedans. L'idée, évidemment, ce n'est pas de dire qu'il faut planter des haies tous les 3 mètres. Hein. Ce n'est pas le propos. Hein. Mais l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que dans cette, part, dans cette partie du sol où finalement je ne fais rien, j'ai des qualités agronomiques qui sont supérieures dans la parcelle où je mets finalement tout mon amour, tout mon travail et tout mon temps. Et donc il y a cette notion effectivement, donc euh, ce que tu as dit Bruno, il y a de la matière organique supérieure, oui, mais pourquoi Parce qu'effectivement il n'y a pas d'export. Mais en fait c'est la question de la est-ce que je compense finalement les exportations Est-ce que j'ai une capacité dans ma parcelle à maintenir un taux de matière organique plutôt élevé Ou est-ce que j'ai un système où je vais me calibrer en matière de restitution de matière sèche, de matière organique fraîche, où je vais aboutir à plutôt 1,7, 1,5, 1,3 de matière organique moi, je travaille de plus en plus en Espagne depuis trois ans. On est sur des sols, des fois, à 0,3% de matière organique. Et quand on arrive sur ce type de site-là et qu'on me dit, voilà, je veux des sols vivants, euh, le, le, la transition et l'effort et, et la stratégie qu'il faut mettre en œuvre commence à être assez complexe. Voilà, parce qu'on est, est sur un milieu quand même extrêmement dégradé. Et on va explorer finalement la fonction de cette matière organique. Et après, tout ce qui peut en découler, c'est-à-dire qu'est-ce que la matière organique va m'apporter en matière de résistance à la compaction implication du travail du sol sur l'aggradation ou la dégradation de matière organique et on va petit à petit cheminer. Mais c'est vraiment important et pour moi c'est quelque chose qui euh, finalement est préoccupant. C'est-à-dire que ce type de système ici va me dégrader mon agronomie alors que j'en ai besoin pour produire sur le long terme. Et finalement la question qu'il faut qu'on se pose tous c'est est-ce que je peux produire pendant 1000 ans sur ma parcelle ou alors est-ce qu'au bout de 100 ans déjà euh, j'ai grévé mon potentiel et je pense que dans la dynamique dans laquelle on est, on parle d'agriculture régénératrice, d'agroécologie, on s'en fout des termes, la question fondamentale, c'est est-ce qu'en fait, quand je produis, je protège l'environnement ou j'alimente des cycles naturels qui me permettent de renouveler finalement cette fertilité C'est ça un peu le propos qu'il faut garder en tête, je pense. Alors comme j'aime bien aussi faire des choses visuelles, parce que les analyses, c'est sympa, mais ce qui est important, c'est est-ce que visuellement, je vois des différences Là, on est, euh, voilà, c'est pendant le Covid, je faisais ma rando toujours au même endroit, puis je voyais toujours euh, finalement euh, une bordure de parcelle, une prairie et un champ cultivé à côté. Je me suis dit tiens, je vais faire le test et je vais faire des tests bêtes, je vais voir si je vois des différences marquées à l'œil. Donc, en fait, quand on vient prendre les, les blocs, on voit que le bord de champ à gauche a un aspect vraiment différent de ce que produit en termes d'aspect le système de culture à droite. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des clés de décision ici à mettre en place partout. Par contre, c'est intéressant, hein, l'observation, le travail scientifique, c'est d'abord de l'observation. La science a commencé par l'observation et c'est ce qui permet après de rationaliser. Là, ce qu'on observe, c'est que le bord de champ, il est plus noir. On va voir s'il a une structure un peu différente. Et puis, la prairie temporaire ou la parcelle sans couverture, mais finalement, tout ça est en rotation. Donc, la parcelle, finalement, où, qui attendait une culture, c'est une parcelle qui euh, est en rotation avec des prairies et des cultures. Donc, finalement, on a la, la résultante d'un système de culture à droite. Quand on regarde la, la structure de sol en tant que telle, on s'aperçoit, alors je n'ai pas fait le test bêche normé, hein, j'ai juste éclaté la structure pour voir un peu ce qui se fait. Et bien on s'aperçoit qu'on a des angles droits sur la prairie temporaire et la parcelle sans couverture, en plus d'avoir finalement une couleur qui est moins foncée, alors qu'à gauche, on a quelque chose qui est beaucoup plus grumeleux. Hein. Euh, alors que finalement, pour la prairie temporaire, on a de la racine. Hein. On pourrait dire sur le sol nu, il n'y a pas de racine, donc c'est normal que c'est un peu moins structuré. Mais sur la prairie temporaire, il y a de la racine et pourtant, on a quand même ces structures un peu angulaires. Donc, ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une résultante physique et observable sans forcément faire d'analyse et passer par un labo d'un système de production. Et donc, quand on rentre vraiment dans cet aspect-là, et, et ça c'est des choses importantes, et, et je pense qu'en tant qu'agriculteur, c'est important de pouvoir faire le diagnostic au champ. C'est important de faire des analyses de sol, de passer par des, des, des outils de diagnostic, des logiciels, mais c'est éminemment important de pouvoir faire un diagnostic in situ, visuel. Et donc. Là, il suffit qu'on casse les mottes et qu'on regarde vraiment ce qui se passe au niveau de la motte. Et on voit bien que à droite, on a des mottes plutôt angulaires, donc c'est ce qu'on appelle un peu des delta-zéro dans le jargon. Et à gauche, on est plutôt sur une motte gamma, c'est-à-dire ouverte, avec de l'oxygénation et, et bien structurée et, et bien poreuse. Donc. Qu'est-ce qui a permis de faire ça à gauche alors qu'on n'a rien fait, ni travail de sol, ni rien, c'est l'activité biologique. La question fondamentale, c'est est ce que je laisse s'exprimer l'activité biologique pour qu'elle me donne des services ou pas, et dans quelle mesure je peux la laisser s'exprimer, parce qu'à un moment donné, j'ai un potentiel de rendement à terre, d une qualité, bien sûr, hein. mais on a cette notion de dire finalement la nature, pour pouvoir en bénéficier, plutôt que d'intervenir, il faut laisser agir. La question, c'est quand est-ce que je dois laisser agir, quand est-ce que je dois intervenir. Et ça, c'est des clés de décision. On en discutera dans les profils cet après-midi. Mais déjà, prendre en compte que l'activité biologique fabrique de la structure de sol et fabrique tout un tas d'autres choses. On va en parler de suite. Ça, c'est une autre résultante. Je l'avais montré à Capagro Eco l'année dernière. Ce sont deux parcelles qui sont séparées par finalement juste euh, un chemin. Donc voilà, ce ne sont pas des photos de, de mon chef. C'est des photos qu'on m'a envoyées. J'ai trouvées très intéressantes. Et donc on voit à droite une parcelle en semi-direct depuis 10 ans et à gauche une parcelle avec la bourre combinée semi. Et alors singulièrement, à gauche, bah finalement j'ai mis de l'argent, du fioul et du temps à l'hectare et j'ai une infiltration de l'eau qui est moins bonne. Alors qu'à droite, finalement je n'ai rien fait, j'ai semé et puis j'ai une très bonne infiltration. Qu'est-ce qui permet de faire ça bah Au final, c'est l'activité biologique. À droite j'ai du lombrique, j'ai de l'activité microbienne qui est sans doute supérieure. On ne va pas commencer à faire trop d'hypothèses parce qu'il n'y a pas forcément d'analyses qui ont été faites là. On ne regarde pas non plus le couvert végétal parce que peut-être que le blé a été semé avec du retard à gauche. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a à droite une activité biologique qui a fait assez de porosité pour avoir une meilleure infiltration de l'eau, pour avoir tout un tas de processus qui me facilitent la vie et qui travaille pour moi 24 heures sur 24. À gauche, finalement, j'ai des charges opérationnelles qui vont être supérieures, sans doute, autour de 120, 130 euros à l'hectare, avec le fuel, le passage, la rémunération du temps de travail, l'usure des outils, et puis le fait qu'avec un labour, par exemple, je fais 0,5 hectare à l'heure, alors que si je fais un coup de semi-direct, je vais 4, 5 fois plus vite. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on économise du temps, on économise un peu de charges, mais grâce à quoi Grâce à l'activité biologique, il faut savoir pouvoir l'appréhender. La, la, voilà, là, on est sur euh, un sol, euh, bah d'ailleurs, qui est proche d'ici, sur une exploitation. On est sur un sol qui n'a jamais vu un outil depuis euh, une bonne dizaine d'années. Et on a une structure qui est grumeleuse, qui ressemble un peu à ce qu'on a vu dans le fossé au final. On a du lombric, on n'a pas besoin de le chercher. Moi, je dis souvent, quand on cherche des lombrics ou qu'on cherche de la biodiversité, c'est qu'il n'y en a pas assez. Souvent, quand il y en a, bah, je mets un coup de bêche, je retrouve toujours quelque chose. Donc, c'est aussi, des fois, une référence. C'est que si je veux des services liée à cette activité biologique, elle doit être présente. Si elle est vraiment présente, je n'ai pas besoin de la chercher. Si je dois la chercher, c'est que déjà, j'arrive à. je suis peut-être en dessous du seuil où je vais pouvoir en bénéficier. Et je suis plutôt donc dans une transition intermédiaire où je dois faire attention, peut-être à ma structure, etc. Et, et c'est là où il faut faire gaffe. Alors, qu'est-ce qui finalement nous permet de pouvoir fabriquer cette fertilité Je vous laisse regarder finalement ce, cet astre qui, qui brille dans le sel qui produit 10 puissance 15 watts euh, constamment, on est sur euh, une source d'énergie quasi infinie. Et j'aimerais quand même qu'on revienne à ça. Parce que là, on va parler d'activité biologique. Comment on va créer l'activité biologique Je pense que c'est important de revenir au fondement de comment fonctionne la vie sur Terre. Aujourd'hui, sur Terre... On mange des plantes, on mange tout un tas de choses, mais d'où provient l'énergie qui nous permet de nous mouvoir, d'où provient l'énergie qui nous permet de faire des choses, d'où provient l'énergie qui permet d'alimenter une chaîne trophique dans un sol Il n'y a pas mille sources d'énergie. On a une boule de feu, on essaie de la reproduire à cas d'arrache, on verra si on y arrive. En tous les cas, on a une boule de feu qui produit de l'énergie, des photons, continuellement. Qu'est-ce qui permet de pouvoir, et ça permet aussi de transférer de l'énergie vous voyez, quand on parle d'énergie du soleil euh, et quand on parle d'énergie au niveau de l'alimentation, on parle toujours d'énergie. On parle de kilocalories, on parle de kilojoules. Donc quand on mange du pain, quand on produit des biocarburants, quand on, on, on va manger des, des fruits ou des légumes, en fait l'agriculteur c'est un producteur d'énergie, c'est un convertisseur d'énergie. Okay c'est plus un convertisseur d'énergie qu'un qu producteur. Si je regarde la vie du sol, ben, c'est pareil, il y a des besoins en kilojoules, il y a des besoins en kilocalories. Donc en fait, on, on, on brûle finalement cette énergie continuellement, c'est l'entropie. Mais comment on fait pour lutter l'entropie ben Il faut constamment être réalimenté en énergie. Qu'est-ce qui permet de passer du soleil au verre de terre, du soleil à la bactérie, du soleil à la pomme de terre, au pain ou même au biocarburant Parce que c'est vrai pour nos bagnoles, nos tracteurs. Et en fait, il n'y a qu'un seul organisme qui permet de faire ça, c'est la plante. Voilà, donc la plante, c'est finalement dans les écosystèmes terrestres ce qui permet de convertir l'énergie du soleil en énergie chimique utilisable par tout être vivant. Donc ça descotche peut-être un peu de la vision agronomique ou de la chimie organique, mais c'est important. C'est-à-dire que la capacité que vous avez sur vos parcelles ou en tant que technicienne d'accompagner vos agriculteurs à capter l'énergie du soleil par la photosynthèse, et d'augmenter finalement ce, cette quantité qui va être convertie dans la parcelle, c'est ça qui vous fait votre plancher, votre plafond finalement d'activité biologique. Et finalement, la question fondamentale, c'est pas de se dire je l'ai bien fait une année, c'est d'avoir finalement constamment dans mon système de culture, c'est pour ce qu'on appelle un système, hein. un système c'est un ensemble de choses, donc il faut que l'ensemble des choses répondent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois bon qu'une année, il faut que je sois bon finalement dans l'ensemble de mon système de culture pour transférer de l'énergie du soleil qu'on ne peut pas manger en énergie chimique utilisable par la chaîne trophique du sol, par les plantes. Bien sûr, qui sont cet intermédiaire. Donc la chaîne trophique du sol, c'est souvent des décomposeurs, on va le voir, mais aussi des, tout un tas d'organismes qui mangent ces décomposeurs, qui mangent les résidus végétaux ou qui sont en symbiose avec le végétal, et qui nous permettent de produire de la, de, de la bouffe et du carburant pour nous. Donc on ne parle que de ça en fait. C'est-à-dire que si vous éliminez les plantes d'un écosystème terrestre, vous n'avez pas d'énergie, vous avez peu de biodiversité. Donc la question de la biodiversité, certes, ça peut être est-ce que j'utilise ou pas des pesticides Est-ce que j'utilise ou pas des engrais chimiques éventuellement mais est-ce que c'est ça le fin mot de l'histoire Non. Le vrai, la vraie question qu'il faut se poser, c'est avec quelle efficacité je transfère l'énergie du soleil par ma plante dans mon système de culture, c'est-à-dire dans ma chaîne trophique, dans mon sol, etc. Donc la priorité numéro un, c'est comment je gère tout ça. Donc si on synthétise, finalement, la plante convertit l'énergie du soleil, elle le transforme en énergie chimique utilisable sous forme de carbone divers et variés, je ne vais pas rigoter là-dessus, et derrière, finalement, la plante va recharger le sol en énergie via une usine de biotransformation qui... Au travers de cette dégradation, de cette consommation de résidus végétaux, va s'alimenter en énergie, et ça aboutira vers les éléments nutritifs, etc., qui nourrira la plante, qui va refabriquer la biomasse à partir de rien, et on a un cycle qui se met en route, qui est intéressant. Alors, si le carbone finalement c'est de l'énergie du soleil cristallisée sous forme chimique, quelle forme de carbone, quelle forme d'énergie je vais avoir qui circule dans un sol je vais avoir à gauche du carbone aliment, c'est la biomasse végétale, mes effluents d'élevage qui contiennent de la plante. Un lisier ne va pas faire augmenter votre taux de matière organique, puisque la vache a pris tout le carbone pour sa propre biomasse. Par contre, si vous avez de la merde de vache et de la paille ou du bois broyé, vous commencez à avoir de la restitution carbone. Là, vous avez du carbone, parce qu'il y a de la plante. Donc on voit bien que la plante, c'est l'alpha et l'oméga de ce qui permet d'introduire du carbone dans un système de production. Ensuite, vous avez le carbone vivant, et ça, on n'en parle pas assez c'est-à-dire que j'immobilise du carbone dans ma chaîne trophique donc plus ça augmente si je passe de 300 kg de verre de terre à une tonne et demi ou à 2 tonnes eh bien j'ai du carbone qui est immobilisé beaucoup d'eau mais un peu de carbone ce carbone vivant il a des fonctions c'est lui qui m'apporte des services et si j'alimente pas finalement ce moteur à me rendre des services, bah, ça ne marche pas. Et ce moteur à me rendre des services, il fait quelque chose. Alors, on ne comprend pas bien comment c'est fait aujourd'hui. Hein. J'ai un bouquin sur la matière organique puis comme ça. À la fin, je n'ai toujours pas compris comment on fabrique de la matière organique. On sait que les micro-organismes sont en jeu. On sait que c'est un processus de polymérisation du vivant. On sait que c'est des résidus de carbone dur de la lignine. Mais le vrai, la vraie fabrication de la matière organique est avec toutes ses composantes, les acides humiques, l'humus, etc. En fait, euh, on ne sait pas bien comment ça marche. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le processus du vivant qui fabrique l'humus et euh, censément le ver de terre, par exemple, va fabriquer le fameux complexe argilo-humique parce qu'il va faire une mixture euh, intime entre le sol et la matière organique. Maintenant, sans doute que les prochaines années vont nous permettre de découvrir plein de choses à, à ce niveau-là. Et puis, on a une, une source de carbone qu'on oublie systématiquement de citer et qui fait quasiment 50% des entrées carbone c'est les exudats racinaires. La plante va allouer une partie de ce qu'elle va fixer par la photosynthèse pour alimenter des communautés microbiennes. Pourquoi elle fait ça Pas pour s'amuser, parce qu'en fait, le sol, c'est l'intestin de la plante. La plante digère du sol par sa microflore qu'elle développe en lui donnant des sucres. Donc en fait, la plante, elle a un intestin externe. C'est compliqué pour nous de comprendre, puisque nous, on est des mammifères, on a un intestin à l'intérieur. Donc si vous retournez un intestin, vous avez toutes les villosités de l'intestin qui sont à l'extérieur, et ça forme la racine et tous les poils racinaires. Et donc nous, ce qu'on fait, en fait, nous, qu'est-ce qu'on mange On mange du caca de micro-organismes, hein. on mange notre pomme de terre, notre pain, etc. C'est dégradé, les micro-organismes finalement font leur travail et mangent au passage. Et ensuite, on, on utilise ces briques pour, pour notre propre biomasse, en partie. Euh, et donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que euh, la plante va faire en partie ce processus-là, elle va se mettre en symbiose avec des micro-organismes divers et variés, on pourra en parler. Et c'est un processus extrêmement important. Donc voilà toutes les entrées carbone dans votre système. Maintenant, comment elles interagissent et comment finalement je vais pouvoir avoir des services pour ma plante Parce que des fois, et ça c'est malheureusement le cas, des fois dans la transition ou quand on se lance un peu fort, on va mettre beaucoup, beaucoup de carbone, etc. Puis on va se retrouver des fois avec des moteurs sols qui ne sont pas prêts, on, on peut avoir des ratés. Euh, la question c'est comment je fais pour, si je travaille mon volet carbone, qu'à la fin, cette boucle de rétrocession revienne jusqu'à ma plante et que je commence à alimenter finalement un cycle d'autofertilité intéressant et petit à petit euh, réduire les engrais et compagnie. Donc, si on compare des systèmes de production par rapport à ce qu'on vient de dire, ici vous avez quelque chose qui est assez euh, disséminé. Ici vous avez un semi de tournesol. Hein. Donc la question c'est est-ce que dans ces systèmes-là on va avoir une circulation de carbone suffisante Qu'est-ce que vous en pensez là, euh, à chaud Qu'est-ce que ça vous parle là en matière de justement d'entrée de carbone, hein, en termes de visuel, ce type de système de production Est-ce que c'est satisfaisant, pas satisfaisant Est-ce qu'il y a des nuances à apporter hein Qu'est-ce que vous en pensez ouais, Alors ça, c'est une question, c'est très intéressant. Donc Bruno dit, euh, ça peut être, euh, on va dire, ça peut poser des questions, mais finalement, il y a toujours un moment où, où c'est comme ça, où ça doit être comme ça. Euh, derrière aussi, il y a peut-être aussi, il y a eu un apport de fumier qu'on ne voit pas parce qu'il a été enfoui, et donc on a quand même de la matière organique qui rentre dans le système. OK. Maintenant, moi, ça me pose quand même une question. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des freins et des verrous techniques. Hein. Par contre, un tournesol, ça couvre quand le sol quand est-ce que ça couvre le sol, un tournesol, quand ça, la parcelle a été par exemple labourée et hercée avant implantation Jamais. Un tournesol ne couvre jamais le sol. C'est-à-dire que, en fait, vous n'avez aucune protection. Premier facteur de dégradation, enfin, enfin, les UV, ce sont un facteur de désinfection des sols. Hein. On désinfecte à l'UV d'ailleurs. Euh, alors, ça ne va pas désinfecter sur 30 cm, mais c'est un facteur de stérilisation de, de cette litière qui d'ailleurs n'est pas existante. Et en plus. Là, on est sensible à l'érosion énormément. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur la photo à côté, c'est exactement la même zone. On a les crêtes qui sont érodées, et puis on a euh, de la terre qui s'accumule dans le bas-fond et qui peut partir à la rivière. Alors attention, il ne faut pas être non plus ultra-alarmiste, quoique tous les hivers, sur céréales, je vois de l'érosion dans les zones pent pentues. C'est systématique. Et d'ailleurs, euh, dans certains territoires euh, qu'on accompagne, euh, dans les parcelles où on passe en TCS, je ne parle même pas de, de, de semi-direct, hein, je parle de TCS léger parce qu'on est en bio et on, veut, on fait sans herbicides. L'érosion est stoppée nette dès la première année et en fait les fossés ne se remplissent plus. Et à côté, les fossés se remplissent et il n'y a pas forcément même de crevasse. Hein. Des fois, on n'a pas la crevasse, mais on a l'érosion diffuse qui remplit petit à petit euh, les fossés. Ça pose des questions parce qu'on a une parcelle qui est gérée d'une manière zéro érosion alors qu'il n'y a pas forcément de transition, hein, c'est dès la première année. Parce que, euh, voilà. Donc ça pose des questions de gestion, ça pose des questions de dégradation du milieu. Euh, on n'est pas là pour jeter l'opprobre sur tel ou tel type de système. Ce qui est certain, c'est que si on veut être dans une logique du vivant, si on veut avoir une efficacité du transfert de l'énergie du soleil dans le système, on a des choses plutôt inefficaces ici, quoi qu'on en dise. Là, on est sur un autre type de système. Avec euh, voilà, un, un gros couvert de seigle, de seigle en haut à gauche qui est cassé au rouleau faca après floraison établie. On vient semer en direct dedans un soja. Alors, oui, des fois il y a des ratés, mais globalement, c'est quand même une technique qui fonctionne très bien. Aux États-Unis, ils font ça sur des dizaines de milliers d'hectares, euh, même en bio. Euh, donc, on est sur des techniques qui sont ancrées, qui ne sont pas hyper compliquées non plus quand on a le set d'outils et qu'on sait faire. Euh, là, on a euh, une biomasse énorme. Le seigle, il va faire 8 tonnes de matière sèche au-dessus, 8 tonnes de racines. On commence à avoir des entrées carbone qui sont considérables. En haut, on a de l'arboriculture. On va se retrouver avec plutôt un gros couvert interran plutôt qu'une petite pelouse. Alors après, il y, a des, il y a des climats, il y a des adaptations. Hein. Voilà, il faut, faut, faut être pertinent. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a une restitution de biomasse, une entrée carbone, une entrée d'énergie du soleil qui est extrêmement plus importante que dans les systèmes plutôt classiques. Donc ça, ça doit nous questionner. Quelle est la place du végétal Ici, j'ai peur du végétal, je fais tout ce que je peux pour qu'il n'y en ait pas. Ici, j'essaie de le gérer. J'essaie de voir comment le végétal peut devenir un peu ami de mon système. Par contre, il faut le gérer, il ne faut pas le laisser partir à foison parce qu'il peut me gréver mon rendement. Mais comment je le gère voilà. Et finalement, ça nous fait rebondir sur, on parle beaucoup de captation de carbone, le cycle du carbone, etc. OK, il euh, y a des systèmes qui déstockent, on le sait, et il y a des systèmes qui stockent. Les systèmes qui stockent, il n'y a pas de débat les systèmes qui stockent c'est de la restitution de matière sèche de végétaux sous une forme ou une autre qui augmentait. Découvert de l'agroforesterie avec des arbres qui restent en place qui stockent du carbone, découvert végétaux systématiques qui ramènent de la matière sèche et qui se transforment en humus, des effluents d'élevage, alors après, y a la question hein, voilà, si je suis éleveur, que je prends de la paille d'une pleine céréalière et que je le mets chez moi, ben, j'ai un meilleur bilan carbone, qu'est-ce qui se passe chez le céréalier qui a pris sa paille C'est des questions qui peuvent se poser. Mais en tous les cas, on a besoin pour stocker du carbone d'amener du carbone. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, de débat là-dessus. Et si je veux alimenter ma chaîne trophique, je dois amener de l'énergie, donc du carbone. Donc qu'est-ce qui vit dans un sol rapidement Ben voilà, on a tous ces types d'animaux là. Euh, des ingénieurs chimiques, les micro-organismes, etc. Des euh, organismes intermédiaires qui soit dégradent la matière organique, euh, soit vont manger les bactéries, les champignons, etc. Et puis après, on va monter vers le ver de terre et puis également des ravageurs aussi. Et donc, on a cette chaîne trophique. Ici, elle est organisée finalement au niveau de la taille. Vous avez ici la taille d'un cheveu humain. Et donc... Bah, la majorité de ce qui vit dans un sol, on ne le voit pas. pas. C'est d'ailleurs plus de 50% de la biomasse. Bactéries, champignons, c'est 60% de la biomasse euh, vivante dans un sol. On ne la voit pas, pourtant elle est extrêmement agissante. Donc la question qu'on peut se poser, c'est ok, c'est sympa tout ça, mais comment je fais pour passer du sol vivant, entre guillemets, au sol fertile Parce que Je peux avoir un sol très vivant, derrière, comment je transforme ça en élément nutritif pour ma plante Donc, le sol, c'est on va dire une chaîne trophique, c'est une interaction, c'est un écosystème vivant. Donc on a Ici, des décomposeurs primaires qui vont ensuite donner accès à tout un tas de micro-organismes, à cette matière organique qui a commencé à être digérée, prédigérée. Des décomposeurs secondaires qui, eux, vont travailler la matière organique qui va être plus fine, plus petite, ou qui va la redigérer une fois qu'elle a été digérée par d'autres organismes. Et finalement, il y a une chaîne de minéralisation qui, euh, finalement, prend part dans les décomposeurs secondaires et, et les micro-organismes. Mais on va voir quelle est la chaîne de libération et ça, c'est important de venir un peu le maîtriser. Dans cette chaîne -là que je vous ai présentée tout à l'heure, avec cette chaîne d'êtres de, 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 vivants qui va se, soit se manger les uns les autres, soit manger les fesses des uns ou des autres, ou les reliquats de matières organiques fraîches qui sont laissés par des organismes plus gros, en fait, la minéralisation, elle opère dans l'infiniment petit, ou en tout cas dans le quasiment non visible. C'est la bactérie, le champignon, mais aussi, on en parle trop peu, les protozoaires, les nématodes. Comment fonctionne cette chaîne de minéralisation Si je commence à rentrer dedans, on va voir quelque chose d'intéressant, c'est le ratio bactérie-champignon. Donc ici, vous avez les, les champignons et les bactéries. Et donc, les champignons et les bactéries, euh, ce sont des, des, finalement les vrais, euh, finalement, ils transmutent quasiment la matière, ils vont transformer ça, ils vont passer d'éléments complexes en éléments simples. Et donc, souvent, dans les systèmes agricoles où on va beaucoup travailler, beaucoup mettre d'engrais et très peu de matière organique, on a beaucoup de bactéries. Comment je fais pour avoir un peu plus de champignons Ça, c'est une question importante. C'est des questions sur lesquelles on peut travailler. On a plusieurs manières de faire. On peut faire des apports directs de micro-organismes, on peut faire des thés de compost chez soi où on va avoir un bon ratio bactéries-champignons, ce qui permettra de changer le biotope assez rapidement. Et on peut faire des amendements organiques. Par exemple, si on regarde amendement, un amendement organique simple, euh, ici on avait fait donc un essai euh, avec et sans bois broyé, donc on a mis 40 tonnes de BRF en surface et on l'avait déchaumé à 5 cm avant implantation d'un maïs en direct. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que sur la modalité BRF, on a plein de champignons saprophytes qui sont nés. Ce n'est pas systématique, mais en fait, on était sur un bois où il y avait de la charge euh, en champignons, et donc on a eu tous ces champignons qui ont, qui ont émergé, et qui nous permettent de dire, finalement, voilà, j'ai ensemencé, j'ai amené du champignon dans mon sol, et on voit bien la relation, si je veux du mangeur de bois, il bah, faut que j'apporte du bois. Quoi. Ouais. Ça, c'était que du feuillu, et c'était fait par l'agriculteur dans ses... Finalement, c'est le meilleur sourcing. <laughs> voilà. Euh, après, comment on peut réfléchir au-delà du champignon, qu'est-ce qui se passe par exemple entre une bactérie et d'autres organismes vivants Une bactérie, on est sur un C sur N de 12. Si on regarde les organismes qui vont se nourrir de bactéries, donc par exemple des nématodes qui, mangent, qui sont bactérivores ou des protozoaires, ils ont un C sur N qui est souvent plus élevé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont plus de carbone dans leur biomasse qu'une bactérie. Donc ils ont besoin de moins d'azote. Ça veut dire qu'en fait, quand ils mangent une bactérie, ils ont de l'azote en excès qui vont relarguer. Tout comme nous, on va relarguer de l'azote dans nos urines ou euh, dans nos fesses. Donc, si j'ai que de la bactérie dans mon sol, je peux immobiliser. Si j'ai de la bactérie et tout le cortège d'organismes qui vont les manger, je vais libérer et minéraliser. Donc là, on commence à rentrer dans une mécanique importante. Euh, si j'ai si trop peu de diversité ici si j'ai si peu d'organismes qui consomment les bactéries pour me, me faire de la minéralisation et de l'azote en excès ça va être compliqué et donc la complexité dans la on va dire dans cette transition d'un sol à 1,5% de matière organique, qui, qui, voilà, qui, qui est un peu faible en activité biologique, qui a peu de lombric, etc., vers un sol qui doit tendre vers ce qu'on appelle un sol vraiment vivant, avec une bonne diversité biologique, et avec une quantité d'organismes vivants suffisants, bah, des fois on va se retrouver dans des, des périodes un peu de, de transition, où on va avoir de l'immobilisation parce qu'on va des fois mettre beaucoup de carbone et finalement on n'a pas le on n'a pas le volant azote ou on n'adapte pas sa fertilisation, et on va se retrouver un peu, un peu coupé. Et donc toute l'alchimie va consister à, à, à comprendre ce processus-là pour petit à petit faire prendre le relais à, à, à cette chaîne d'êtres vivants. Euh, parce que c'est celle-ci, quand elle est établie, qui nous permet de faire un peu d'économie d'engrais, euh, qui peut être assez important dans certains systèmes. Mais voilà, euh, selon le potentiel de rendement qu'on veut atteindre, on, on ne s'en passera pas. Mais si on veut réduire de l'engrais, on a besoin de travailler avec cette chaîne de décomposition là et avec un autre organisme vivant qui va être euh, le ver de terre. Alors le ver de terre est intéressant parce que lui, il va catalyser toute cette chaîne alimentaire. Pourquoi Parce qu'en fait, dans le tractus digestif du ver de terre, vous avez énormément de micro-organismes. Donc quand le ver de terre ingère du sol, quand il fait les turicules, quand il passe dans ses galeries, il va activer l'activité biologique, et notamment microbienne, et donc il va activer tout un tas de processus. Qui dit plus de bactéries, dit plus de proies pour la chaîne alimentaire dont on vient de parler, dit également aussi plus de euh, services finalement de minéralisation, de travail autour des matières organiques que j'aurais pu amener. Et donc. Voilà, il y a, y a, un, y a un, un peu un goulot d'étranglement où les populations de lombriques, euh, finalement, elles vont mettre euh, peut-être deux ans, trois ans à s'établir convenablement dans un sol qui a une très faible charge. Et donc on peut se retrouver en rupture, c'est là où il faut faire attention. Mais globalement, la, la fonction du ver de terre, c'est de pouvoir manger de la matière organique à des stades extrêmement durs ou à des stades très avancés. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les organismes vivants. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les colamboles, etc., euh, ils, ils vont commencer à manger la matière organique, mais pas toutes les matières organiques. Euh, ils vont pas être aussi efficaces, finalement, que ce que fait un ver de terre. Le ver de terre est assez multifonctionnel. Euh, et, et donc, il va nous permettre de passer de matières organiques très dure à des turicules ou quasiment des éléments nutritifs et minéraux assez rapidement. Un ver de terre, il vous mange une paille. 48 heures après, il vous fait des turicules, et dans le turicule, il n'y a plus de paille. Donc il y a de la minéralisation active. Donc ça vient activer ce cycle de l'autofertilité. L'ombrique est un élément essentiel là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on trouve dans une galerie de lombrique. On a plus de carbone, d'azote, on a des micro-organismes, vraiment de façon significativement supérieure. Et donc ça prouve quand même bien que le ver de terre active toute, toute cette vie microbienne. Ça, c'est aussi une question de seuil, donc c'est une étude qui a été faite, je l'ai montré aussi l'année dernière. Bon. Euh, on a des systèmes on va dire, très classiques à gauche qui vont produire 1,4 kg de turicule par mètre carré par an. On a des systèmes en semi-direct établis qui sont à 11 kg. Quand on passe de 1 kg à 11 kg et quand on, on comprend que le turicule finalement il va être chargé en éléments nutritifs, eh bien, ça nous permet de pouvoir euh, finalement comprendre cette chaîne de minéralisation et donc l'importance d'avoir du lombric dans, dans sa parcelle. Et d'avoir un seuil de lombrique minimum. Voilà. C'est-à-dire, si je passe de 300 kg à 400 kg de lombrique, c'est trop faible. Il va falloir passer à un seuil supérieur. Comment je fais pour avoir du lombrique C'est simple, il se nourrit comme nous d'énergie du soleil, par le végétal. Donc il va falloir travailler les matières organiques. Donc on commence à comprendre finalement que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est un élément extrêmement important. Comment votre carbone circule dans votre sol Quelle quantité finalement il y en a voilà. Et c'est pareil pour nous. Si vous coupez par exemple. Euh, l'alimentation euh, des supermarchés du Qatar avec les, les bateaux et les avions, en un an, vous avez divisé la population par 90%, parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger autour. Donc on voit bien que pour les populations humaines, c'est pareil. Il faut de l'énergie disponible. Et l'énergie de votre vie du sol, c'est le carbone à un moment donné. Il n'y a pas d'autre source sous, sous végétaux, alors qu'il peut être plus ou moins dur. Voilà. Et donc, dans cette chaîne aussi... L'alimentation de la plante passe par cette activité biologique. On a ici un sol désinfecté et un sol non désinfecté. La biomasse entre le sol désinfecté et non désinfecté est 5-6 fois supérieure, sans avoir rien changé. C'est la même plante, c'est la même densité de semis, c'est le même milieu. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, cette, vie, cette activité biologique des sols, elle travaille pour nous H24, elle est importante, et en fait, j'en reviens à cette notion de rhizosphère. La plante digère grâce à sa rhizosphère, et le sol, c'est l'intestin de la plante. Donc, le biotope du sol, en relation avec le biotope de la rhizosphère, on est sur des choses qui sont assez intimes comme relation. Et euh, on le voit, par exemple, dans les, les essais qui peuvent être faits avec du thé de compost oxygéné ou, ou des produits divers et variés. Quand on amène un micro-organisme dans le milieu, ça peut changer la façon dont pousse la plante. On peut changer même les flores spontanées qui poussent. Ce n'est pas systématique encore une fois, mais on a vu des choses assez intéressantes. Donc ça veut quand même dire que la microbiologie du sol influence la pousse du végétal, sa diversité et la façon dont il va se comporter. Donc vous voyez, il y, y a cette complexité à prendre en compte. J'ai mon carbone qui va alimenter l'intégralité de ce biotope. Et dans ce biotope, j'ai un moteur. Voilà, donc le lombrique participe à ce moteur et également euh, la microbiologie participe à ce moteur. Mais il faut aussi ceux qui consomment ces micro-organismes pour me relarguer à un moment donné les aimants nutritifs. Donc, comment prioriser ces pratiques Je vais aller brièvement là-dessus. Les pratiques agricoles qui impactent le plus l'activité biologique, je les ai citées, il y a le travail de sol, parce que ça vient brasser, ça met de l'oxygène, ça active la minéralisation, ça peut déstabiliser la microstructure, ça la déstabilise d'ailleurs la plupart du temps, les outils animés souvent, euh, ça peut bouleverser les couches d'horizon, on dit souvent, voilà, dès que, déjà dès que je bouleverse plus les couches d'horizon, j'ai des choses qui peuvent changer. La gestion des matières organiques, la fertilisation, extrêmement important, on l'a vu. Là, seulement la rotation, qui est aussi une manière de gérer les matières organiques, par les exudats racinaires, la restitution des couverts et des résidus culture. et les applications phytosanitaires qui peuvent être aussi létales ou provoquer des problèmes dans l'expression de certaines catégories. Un fongicide, bah, ça tue les champignons. Bah, Qu'est-ce qui se passe bah, J'ai peu avant moins de champignons si je les mis en surface, sur mes pailles, etc. Donc ça joue aussi. Les effets indirects. Les effets directs, bon, euh, ils peuvent être ce qu'ils sont. Je tue directement un ver de terre quand il, me prend, il se prend par exemple un coup de verse rotative. Par contre, les effets indirects sont vachement plus intéressants à étudier. On va avoir des effets sur le pH redox, la porosité de la structure, donc la façon dont l'oxygène circule dans le sol, la température, l'humidité du sol, le type de racines et les espèces que je vais pouvoir mettre dans mon système. On a l'aspect aussi nutrition, disponibilité des matières organiques, qualité, les exudats racinaires, la disponibilité de l'azote et du phosphore. Donc ça, ce sont des éléments essentiels. C'est en tous les cas ce qui est, ce qui est montré par, la, par les études, c'est que ce sont les éléments prépondérants qui vont jouer dans la diversité et l'abondance de vos organismes du sol. Et votre contexte pédoclimatique, bien sûr, qui est essentiel dans la balance. Donc, c'est là où, en fait, on va en revenir. Je veux faire des couverts, mais quand je me tape des étés comme on a eu, à répétition, qu'est-ce que je dois changer dans mes modes de gestion pour quand même faire un maximum de biomasse, mais dans la limite de mon pédoclimat Et donc, finalement, moi, j'aimerais qu'on se focalise sur deux choses. Alors, le pH, le redox, c'est essentiel. On ne va pas le traiter aujourd'hui, ce serait trop long. Mais déjà, faites attention à votre statut acido-basique. C'est une base. Je veux dire, à un moment donné, ça, c'est des choses qu'on apprend. Il n'y a pas forcément besoin d'ergoter là-dessus. Votre statut acido-basique conditionne la façon dont va s'exprimer votre microbio et votre activité biologique. Donc, toutes les pratiques d'amendement calcique, etc. sont intéressantes. En tous les cas, faut au moins remonter au-dessus de pH 5,5, minimum. Selon ce qu'on fait, 5,5, 6, ça va. Et si on fait des cultures de vente où il faut y aller un peu, 6, c'est un minimum. Voilà. Après... Ce qui est intéressant dans la nutrition, c'est disponibilité des matières organiques et la qualité. Ça, pour moi, c'est une priorité. Comment je la gère au niveau de mon système de culture Alors, c'est un peu cette méthode-là que j'aimerais vous partager le bilan humique simplifié. Simplifié, pourquoi Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai appris le bilan humique à des techniciens ou des agriculteurs, mais personne n'utilise jamais. Je me dis mais qu'est-ce qui fait que personne n'utilise cet outil En fait, il est trop complexe à mettre en œuvre. Soit je dois reprendre un logiciel, soit je suis obligé d'avoir de, des des calculs très longs et fastidieux. Comment je fais pour simplifier Dans la simplification, malheureusement, je perds des informations. Mais si c'est assez simple pour que j'utilise, ça devient un outil un peu fonctionnel et de, un outil d'aide à la décision. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on apporte assez de carbone dans le système de culture Alors, pour commencer, un petit rappel simple, c'est ce, ce dont on a parlé depuis le début, la biomasse végétale fraîche, elle est composée de différentes formes de carbone. On a de la lignine à gauche, ce sont des composés complexes, c'est ça qui fabrique l'humus, ce carbone dur. Donc, dans un couvert végétal détruit à floraison, j'ai peu de linine. J'en ai dans les racines, mais j'en ai peu dans la biomasse végétale. Dans un couvert végétal, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, un sorgho où je, je suis allé assez loin dans le cycle, il va se linifier et donc je vais avoir plus de restitution carbone. Donc voilà, ça, c'est une question de stade de destruction, mais c'est ça qui fait de l'humus, c'est la lignine. Et après, le reste, ça va alimenter en court terme l'activité biologique et notamment les organismes de type euh, voilà, bactéries, champignons, etc. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir nourrir ma plante après. Donc la question centrale, c'est comment j'arrive à calculer rapidement la quantité de linine que j'amène au champ. En fait, c'est hyper simple. On va être sur euh, la matière sèche. Finalement, qu'est-ce qui reste quand vous n'avez plus d'eau dans votre plante C'est ce qui fait du poids, c'est la matière sèche. La matière sèche, c'est finalement, grosso modo, euh, un peu de cellulose, mais beaucoup de lignine. Donc en fait, si vous voulez savoir ce qui fabrique de l'humus dans votre champ, ben, il faut regarder la quantité de matière sèche. Et après, commencer à avoir un peu des références. Euh, la matière sèche qui va être restituée par un couvert, eh bien, vous avez certes la partie aérienne, on, on la voit, mais il y a beaucoup la partie racinaire. Et il faut prendre ces deux choses-là en compte. C'est-à-dire que si j'exporte une plante entière, elle a quand même fait de la racine, elle a quand même amené du carbone dans le système. Donc, vous devez être en mesure d'estimer la biomasse aérienne facilement. Et moi, je prends finalement un ratio qui n'est pas tout à fait vrai, qui n'est pas tout à fait faux, mais il faut simplifier les choses pour les utiliser. C'est qu'en fait, j'applique une règle des 50-50. Si je produis 3 tonnes de matière sèche dessus, je fais 3 tonnes de racines dessous. Alors, c'est plus ou moins vrai. Euh, voilà, pour un blé, des fois, c'est moins. On va plutôt être à 30%, etc. Mais on va simplifier pour pouvoir utiliser cet outil comme un outil d'aide à la décision fonctionnel. Donc ici vous avez une abaque, qui a été faite par avoir de terre d'ailleurs, qui est intéressante parce qu'elle vous permet en fonction de la densité du couvert et du type de couvert, est-ce qu'on est plutôt sur des plantes vertes des légumineuses, etc., ou des plantes ligneuses et rigides, un blé à terme, que je viens de récolter j'ai la paille au sol, euh, un sorgho à mener loin dans son cycle, euh, un maïs grain... Etc. Euh, en fonction du type de plante et de la densité, je vais pouvoir estimer la quantité de matière sèche que je produis, grosso modo. Et si j'estime la matière sèche aérienne, je vais pouvoir estimer la matière sèche racinaire. Et donc, je vais pouvoir commencer à qualifier ma rotation, mes apports couverts végétaux et voir si j'ai suffisamment de matière sèche dans mon système. Alors, grosso modo, la pratique est très simple. Je vais prendre l'ensemble des amendements que j'apporte sur mon champ, et la biomasse aérienne et racinaire qui sont apportées. Et je vais ramener ça au taux de matière sèche, à la tonne de matière sèche, pardon. Donc, l'apport, par exemple, d'amendement organique en haut, j'en ai pris trois, un, un bois, par exemple du BRF, c'est 50% de matière sèche, grosso modo, 50-60%, un fumier classique, pailleux, mais pas trop, ça va être autour de 30% de la matière brute qui est de la matière sèche. Donc si je mets 10 tonnes de fumier, j'ai 3 tonnes de matière sèche, sur un fumier classique. Si je mets 40 tonnes de BRF dans mon, dans mon champ, je vais avoir 20 tonnes de matière sèche. Si je mets du lisier, on va tourner autour de 5% de matière sèche, 7% de matière sèche. Pour moi c'est epsilon, je les compte même pas dans l'équation souvent. Et après je vais regarder l'apport du matériel végétal, les couverts, les cultures. Donc apport tige-feuille, apport racinaire. La loi, la règle des 50-50 s'applique, matière sèche aérienne égale matière sèche racinaire. Et ça me permet simplement, à main levée avec une calculatrice, de savoir si j'ai assez de carbone qui rentre dans le système. Alors, l'idéal, attention, c'est un idéal, hein, c'est d'avoir 20 à 25 tonnes de matière sèche au total par hectare et par an. Est-ce que c'est possible partout Est-ce qu'on peut y arriver sans mettre trop d'argent dans la parcelle Ça, c'est d'autres questions qui se posent, en tous les cas. Si je veux renouveler grosso modo 4 à 5 de matière organique, je dois avoir ça qui rentre dans mon système. Et euh, j'en ai fait énormément de ces bilans simplifiés pour vérifier. Et globalement, ça justifie. C'est-à-dire, quand je suis à 10 tonnes de matière sèche, souvent l'analyse de sol me montre un taux de matière organique à 1,3, 1,4, 1,5. Quand je suis à 20 tonnes de matière sèche, je suis plutôt autour de 3,5 4 5 Ça dépend du climat, parce qu'en fait, la minéralisation joue beaucoup. Hein. Mais globalement, on va être sur ce, sur ce type de, de relation-là. Oui, on a une marge d'erreur dans la méthode que je donne. On a 20% de marge d'erreur, mais ça permet au moins de voir si vous êtes déjà dans la bonne direction ou dans la mauvaise. Donc par exemple, si je prends une rotation blé, soja, blé, maïs, maïs, par exemple. Le premier blé, j'exporte la paille parce que j'ai un éleveur qui est dans une zone à côté qui la veut. Après, j'ai mon soja, mon blé, et je fais deux maïs. Voilà. Euh, donc, et j'ai un couvert de moutarde entre mon blé et mon soja, et j'ai un couvert de févrol entre mes deux maïs. Donc là, je fais mon comptage. Le blé, ça fait à peu près 4 tonnes de paille ou 4,5 tonnes de paille. Donc, je mets 4 tonnes au-dessus, je l'exporte, elle est plus là. J'ai 4 tonnes de racines. Le soja, ça fait très peu de, 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 matière, de matière sèche finalement. Donc, je vais avoir 2,5 tonnes de matière sèche au-dessus. 2,5 tonnes de racines, ça me fait 5 tonnes au total. Ma moutarde est, dé est détruite l'année où je mets mon soja, donc je la comptabilise dans cette année-là. Donc en fait, je me retrouve grosso modo avec 5 plus 6 tonnes de matière sèche, puisque mon moutarde, elle a fait 3 tonnes de matière sèche. Je l'ai laissé aller assez tard. Le soja, c'est une culture que j'aime planter tard, je peux aller un peu loin. Et donc j'ai fait 3 tonnes de matière sèche, ça me fait 3 tonnes dessus, 3 tonnes dessous. Je me retrouve avec 5 pour la culture, 6 pour le couvert. Ensuite je vais avoir mon blé. Deuxième année, donc là bah, je fais 4 tonnes dessus, 4 tonnes dessous, là je vends pas ma paille, elle est restituée, 8 tonnes de matière sèche. Après j'ai mes deux années de maïs. Donc le maïs produit beaucoup de biomasse, le maïs grain, ça peut être décrié, tout ce qu'on veut, mais ça apporte beaucoup de carbone. 8 tonnes dessus, 8 tonnes dessous. Euh, là par exemple, le coefficient racinaire est peut-être un peu inférieur pour le maïs. Bon, c'est pas très grave. Si on commence à recomplexifier, eh l'adoption de la technique réduit. Donc je préfère garder quelque chose de simple. Ça sera compensé par d'autres appareils racinaires qui sont plus fournis dans la, dans la rotation. Donc deux maïs grains, 8 tonnes, 8 tonnes, racines plus biomasse, ça fait 16 tonnes pour la culture les deux années. Sauf que j'ai mon couvert de févrol euh, qui va être détruit l'année du deuxième maïs, avec 6 tonnes de matière sèche produite, ça me fait 16 plus 6. Si je me dis que je veux faire 20 tonnes de matière sèche minimum, eh bien, je suis en déficit 4 ans sur 5. J'ai plus de tonnes de matière sèche l'année où je fais mon maïs et mon couvert. Et là, on commence à se rendre compte du gap qui nous éloigne en fait, entre un système de culture qui est humi, hum, humigène, en fait, qui fabrique de l'humus et assez, qui va se stabiliser à 3, 5, 4 de matière organique au bout de X années. Hein. Ça va prendre 8 ans, 7 ans, 10 ans, selon d'où vous partez. Euh, et là, on a un déficit de carbone cumulé pour stabiliser ce, cette quantité de matière organique qui va être de 39 tonnes de matière sèche sur cinq ans. Comment je fais pour remettre ces 39 tonnes de matière sèche Ça, c'est une question qu'il faut se poser. On en parlera donc cet après-midi, etc. Là, j'arrive à la fin de ma présentation. Mais au final, les outils, c'est quoi Les couverts végétaux. En fait, les seuls outils que vous avez, c'est du végétal. Sous une forme ou une autre. Hein. Que vous faites venir dans la parcelle, que vous produisez sur site. vous faut peut-être changer l'assolement, il faut peut-être peut mettre des prix temporaires, que sais-je. La question centrale, c'est les couverts végétaux, le végétal au sens large. Les cultures à forte restitution de paille. Voilà. Il y a des cultures comme le soja qui restituent quasiment rien. Par exemple, si on faisait un soja avec un seigle, on aurait fait 16 tonnes de matière sèche de plus dans la rotation. On avait 39 à rattraper. Ben, finalement, on, on inclut dans le système ces 16 tonnes de matière sèche. On a quasiment fait la moitié du chemin avec ce type de pratique, par exemple. Les amendements organiques assez sur élevé, puisqu'en fait, quand j'apporte du bois, j'ai quasiment deux fois plus d'efficacité à apporter du carbone que quand je mets du fumier, par contre, attention. Si je mets du bois, ben je le laisse en surface, je ne vais pas commencer à le labourer, sinon grosse fin d'azote, etc. Donc c'est le positionnement qui est important. Et puis la réduction du travail du sol qui va limiter les pertes, on n'a pas tant parlé que ça, mais dès que je travaille le sol, je vais quasiment booster de 30% la minéralisation. Donc dès que j'arrête de travailler le sol, j'ai moins de minéralisation. J'ai moins d'azote disponible aussi, puisque je minéralise moins. Donc derrière, ça demande d'autres euh, niveaux de gestion. Voilà. Et donc j'ai mis quand même un truc important, et je pense que vous en parlerez peut-être dans la prochaine intervention, on en parlera cet après-midi, c'est tout ce qui est lié au rapport C sur N. Quand vous voulez fabriquer de l'humus, vous consommez de l'azote. Attention à ce fameux rapport C Dans les transitions en agriculture de conservation, l'adaptation du plan de fertilisation, etc., c'est absolument important. Et il faut aussi euh, voilà, il faut être très stratégique là-dessus. Euh, la gestion de l'azote reste un, un point extrêmement fondamental. Ce fameux rapport C régit beaucoup euh, la consommation des matières organiques, son humification. Et c'est important d'avoir des flux d'azote qui circulent bien. Pour le conventionnel, on a des engrais qui sont plutôt, euh, voilà, efficaces. En agriculture biologique, attention, un des gros facteurs limitants de la bio, c'est qu'on a peu d'azote disponible à pas cher, et donc derrière, bah, attention aussi dans les cycles qu'on met en route et dans la quantité de carbone qu'on apporte pour qu'elle puisse être digérée convenablement. Ceci dit, on remarque que dès qu'on a commencé à amorcer la pompe à carbone avec les champignons qui se mettent en place, toute cette chaîne de biodiversité, la capacité à venir digérer du carbone indiffére moins avec indifféremment de l'azote est plus intéressante. Pourquoi Parce que le champignon n'est pas comme la bactérie. La bactérie a un C sur N de 12, le champignon a un C sur N de 30, donc il a une capacité à manger du carbone avec moins d'azote de façon beaucoup plus performante qu'une bactérie. Donc c'est pour ça que ce ratio, ce ratio bactéries champignon est éminemment important. On a des régimes sans doute trop bactériens aujourd'hui dans les systèmes conventionnels classiques. Comment je fais pour remettre du champignon Eh bien je dois travailler différemment. Je dois apporter du carbone peut-être un peu plus dur. Je dois gérer différemment la matière organique et je dois faire attention aussi à mes régimes de travail de sol, puisque dès que je travaille beaucoup le sol et j'active la minéralisation, le champignon a moins de tendance à s'implanter, notamment les mycorhiziens, mais même les champignons libres. Et donc il y a une vraie, euh, c'est très important de venir travailler autour de ce ratio pour avoir un cycle d'auto-fertilité optimisé. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis disponible pour, euh, pour vos questions. Voilà. <laughs>